Je me suis aperçu en étant journaliste qu'on ne donnait pas obligatoirement la parole à ceux qui avaient des choses à dire. J'ai décidé de donner directement aux citoyens la possibilité de donner l'information aux autres citoyens. J'ai quitté le monde des médias pour ne plus être un média, mais être une plateforme qui va recevoir l'information, non pas des correspondants de presse, mais carrément de ceux qui voudraient que les médias parlent d'eux. Ce que j'ai voulu faire, c'est démocratiser complètement le média, et surtout la télévision. C'est-à-dire que chacun devient, s'il le désire, son propre journaliste, et va partager ce qu'il a avec tout le monde. Les médias ne donnent la parole qu'à des personnes qui vont donner de l'audimat. Les télévisions comme BFM et ainsi de suite sont trop dans l'actualité. Mais ils sont tellement dans l'actualité qu'ils fabriquent l'actualité. Ils finissent par la fabriquer. Et ça, c'est pas mon plan. Ils ne sont plus dans l'information que le citoyen attend. L'information, c'est l'information de ce qu'il y a dans mon quartier, dans mon village. On l'a pu, ça. Fini d'avoir un journaliste qui fait une interview, ah, monsieur, nanana, et puis après il va dire, bah, oui, mais c'est trop long, on va couper ci, on va couper ça. Le gars, il a rien compris, il a coupé ce qu'il fallait pas. C'est fini, ça. La parole est aux citoyens chez nous.